quelque chose. Quel désir maintenant comprendre la Bible dit qu'elles interrogent leur mari à la maison. La Bible les amène à des distances kilométriques de l'église. Elles n'ont pas le droit de parler là où il y a les garçons. Non, mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Je vous explique le topo. Quand le pasteur avait prêché, tu veux te marier? Yes, Jésus. Tu veux avoir ton mariage? Yes, Jésus. Elles sont venues depuis 5 ans, 6 ans. Il n'y a pas de garçon pour elles. Des vieilles sorcières qui se sont livrées à de la roubadise sexuelle. Dans les coins recoins d'Abidjan, des femmes orgueilleuses, arrogantes, qui ne veulent pas que l'homme les domine, les colonise et les conduise. Quand l'homme parle 1, parle 3. Quand l'homme parle 2, parle 6. Quand l'homme parle 6, elle parle 24. Ce sont ces vieilles sorcières de la roubladise sexuelle qui ont attendu un message d'espoir. Tu veux avoir ton mariage? Elle est venue. Et depuis des années, il n'y a pas quelqu'un aussi qui les approche. Or, le pasteur a fait la promesse, tu veux te marier, viens à Jésus. Depuis là, il n'y a pas de garçon. Quand on t'envoie, il faut savoir toi-même, t'envoies. Elle va aussi commencer à se chercher. C'est dans cette optique-là. Elle se promet pour chercher les petits garçons. Elle cherche les petits pompiers. Comment on les appelle là-même là? Les gigolos. Elles sont à la recherche des gigolos. Donc si tu vois une telle femme, mon doyen, et que tu as ta bouteille de liqueur avec les racines gouraux dedans, alléluia, il va te dire ce que tu dois faire. Et en faisant cela, tu vas lui, elle-même, elle va même pas se plaindre même. Elle va adorer ça. Tu vas voir demain encore, elle va venir à trois Bibles chez toi. Prends ta bouteille de liqueur avec racine, bois au moins deux verres. Dès que tu vois que le bâton magique te fait allégeance, il faut la faire rentrer. Et mets-la dans une position appliquée courbatoire. Elle ne va pas se plaindre. C'est ça qu'elle cherche. Elle soit à la recherche de quelqu'un qui va réchauffer les moteurs. Cherche les petits gigolos, c'est tout. C'est ce travail-là qu'elles sont en train de faire. Sinon, ce passage-là ne peut pas être clair comme ça. Et puis, on va prendre la Bible. Mon frère, j'ai dit t'aimes. Ce sont des vieilles d'Andjou. Oui, frère. Car il est malséant. Il est malséant. À une femme de parler dans l'église. Oh, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que ceux qui doivent parler de Dieu la doivent parler. Maintenant, le Saint-Esprit qui doit les pousser à prêcher dit la femme n'a pas le droit de prêcher. C'est quel esprit qui conduit cette femme à aller prêcher? C'est quel esprit qui les envoie? Parce qu'on est censé être envoyé par Dieu avant de parler de lui. Mais Dieu lui dit, il est malsain à une femme de parler de lui, de prêcher sa parole. Continue encore. Est-ce de chez vous? Ça veut dire que cette affaire de femme qui prêche là, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le temps à l'ère apostolique, il y avait des femmes déjà qui essayaient de faire ça. Quand on parle souvent d'autres vauriens, des gens qui sont forts, très forts dans vauriens, dans l'affaire de parole de Dieu, ils disent, mais ça c'était le désordre qu'il y avait, qui régnait à l'église de Corinthe, dont Paul parlait pour censurer le désordre qui était à l'église de Corinthe. Quoi? Si c'est à l'église de Corinthe que Paul a dit ça, quelle partie de la Bible s'adresse maintenant à l'église de Côte d'Ivoire? Quand les gens n'ont plus rien à dire, hier, à l'époque, quand on sortait pour évangéliser, ils disent, mais ils sont très mal habillés. Écoutez-moi bien. Maintenant, le Seigneur nous donne un peu, on s'habille bien. Ils disent, ah, oh, ils insultent les gens toujours. Maintenant que ce qu'on prêche est pur, il n'y a pas d'injure au nom de quelqu'un dedans. Ils disent maintenant, ils répètent toujours la même chose. Vous n'avez rien à dire. Fermez-la et prenez note. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter, ni de suivre ce qu'on fait. Nous sommes en train de prêcher, nous sommes à la recherche de nos frères, nos soeurs, qui appartiennent à Dieu, qui sont égarés dans vos églises, vos morgues, vos poulaillers que vous appelez église. À part les religions organisées. Vas-y frère. Est-ce de chez vous? Est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie. Vous qui voulez que femme prêche, vaille qui vaille. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Quelle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, que ce que nous sommes en train de lire là est un commandement du Seigneur. Donc ce n'est pas Paul qui parle à l'élu de Corinthe, mais c'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à tout son peuple sur la terre. Ça n'a rien à voir avec une église de Corinthe, mais c'est à toutes les églises du monde. Si réellement ça appartient à Dieu, la femme n'a pas le droit de prêcher droit. Une femme qui prêche, c'est une citoyenne pure de l'enfer. Mais, si elle est destinée à la vie éternelle,
En attendant, ce message va se ressaisir pour revenir à de meilleurs sentiments. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 11 à 15. Oui. Que la femme. Que la femme. Écoute l'instruction en silence. C'est ça la parole de Dieu. La femme là. D'ailleurs, il faut se poser la question. Parce que l'écriture dit, Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, le verset 4. L'éternel. L'éternel Dieu. A tout fait pour un but. Voilà. Pause. La Bible dit l'éternel a tout fait pour un but. Vous entendez ça, Douane? L'éternel Dieu a tout créé pour un but. Maintenant, quel est le but pour lequel Dieu a créé la femme? C'est ça la question d'abord préliminaire qu'on doit se poser. Avant de la laisser prêcher, il y a des vendus qui se font appeler pasteurs. Tous ceux qui nous critiquent sans toutefois nous dire si publiquement ce qui nous reproche, vous êtes des lâches. Kanibaye Kondo de femme est mieux que vous. Oui, nous ne sommes pas cachés. Prenez votre courage, venez ici. Quelqu'un qui n'est pas caché, tu murmures contre lui. Moi, je dis que ce que je prêche là, c'est ça qui est la vérité absolue. Maintenant, si toi, tu penses détenir notre vérité, tout le monde est là. Il faut apporter ça pour m'éclairer aussi. Alors, frère. Que la femme. Que la femme. Écoute l'instruction en silence. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 4 à 7. Écoutez le passage. 11, 4. Attends, regarde ici. Je veux cependant. Que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Bon. Dans un bureau, entre le chef et les employés, qui doit donner des instructions? C'est le chef. Aujourd'hui, on voit partout les femmes sont le maman. Il y a écouté hier un malheureux, un pauvre misérable de l'église baptiste de mission qui se dit serviteur de Dieu. Et il dit, c'est par les femmes que nous existons. Vous êtes le moment, pardonnez-nous, ne vous maudissez pas. Pardonnez-nous, ne vous maudissez pas. Tu es vendu de Satan. Il fait honte. Et lui aussi, on l'appelle fondateur de mission. Un homme de Dieu. Que vous êtes le maman. Que sans la côte de l'homme, l'homme ne peut rien être. Voilà, elle est vendue comme ça. Et demande pardon à la femme. Vous êtes nos mamans, ne nous maudissez pas, nous sommes vos enfants. Faux! Nous, les fils de Dieu, ne sommes pas les enfants de femmes. L'homme est le chef de la femme. Quel que soit le garçon de 1 ou 2 ans qui est dans le groupe d'une multitude de femmes, même s'il y a 900 femmes, 999 femmes, et qu'il y a un petit garçon de 2 jours, même de 1 seconde qui est là, on dit qu'ils sont là. Ça ne sera jamais, ils sont là. Alléluia. Arrêtez de nous dire, les femmes sont nos mamans ou ça. L'homme est le chef de la femme. Et ces églises-là prêchent l'émancipation. L'homme et la femme sont au même pied d'égalité. Et que ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Quoi? Mon pied et ton pied, c'est quand je vais adorer Dieu, tu dois me suivre pour adorer. Après ça, là, en tant que ton chef, j'ai le plein droit d'aller où je vais aller. Et toi, tu dois écouter mes instructions. Une femme qui fouille dans le portail de son mari, c'est une sorcière. C'est un dragon qui est là. Un esprit mami wata. Mais entre nous, attendez là. La Bible dit que l'homme est le chef. Entre le chef et l'employé, qui doit vérifier son ami? Vous êtes dans quel monde même? Soit vous croyez la parole de Dieu ou bien vous ne la croyez pas. La femme ne doit pas verrouiller son téléphone à son mari. Mais l'homme, en tant que détenteur de tous les fichiers de la famille, se doit de verrouiller son téléphone. Ça, c'est clair. Je sais ce que ton iPhone se gâche. Tu sais ce que mon iPhone cache. C'est un PD qui chante comme ça. Ce n'est pas un garçon digne de ce nom. Alléluia. Le garçon, femme ne doit pas savoir ce que son iPhone cache. Mais lui doit savoir ce que son portable cache. L'homme doit contrôler sa femme à tout moment. Il doit vérifier. Comme le maître des lieux, qui doit vérifier chaque élément dans sa maison. Il doit imposer des lettres et des règles de loi qu'elle doit accepter. Un an, j'ai mes droits, j'ai ma liberté. Tu as quelle liberté? Est-ce que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, est-ce qu'on a une liberté vis-à-vis de Christ? C'est lui qui donne des lois et nous dit amen. L'homme est le chef, il parle, la femme dit, j'ai compris mon Seigneur. J'ai compris mon Seigneur. Ce n'est pas votre raison aussi haut. Parce que c'est vendu là, vous appelez maman. Un garçon qui appelle femme, maman, maman, et lui aussi on l'appelle bébé, il est fier.
Si tu es son bébé, il faut faire ce qu'elle te demande de faire maintenant. Tu te plains de quoi? Un bébé, là, doit faire ce que sa maman demande. Des bâtards comme ça. Les femmes sont nos mamans. Oui? Il y a un monsieur qui veut nous faire de l'eau. Il n'a qu'à deux. Alors? Avec quoi? Voilà! Il y a une bonne nouvelle dans la nouvelle qui est bonne, que nous sommes déjà en train d'annoncer. Il y a un frère dans le public qui a fait un don de la somme de 1000 francs avec des sachets et des bidons d'eau. Que Dieu le bénisse. Le frère Aké Eugène, au passage, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est comme ça. Il n'est pas question pour dire opération poche vide, donne tout ce qui est dans ta poche. Dieu te voit, Dieu te voit. Si Dieu me voit, il n'a qu'à me montrer où se trouve l'argent pour que je parle prendre là-bas. Que Dieu vous bénisse, frère. Quand c'est comme ça, c'est bon. C'est d'un cœur sincère, un cœur touché, convaincu. C'est comme ça là. À notre frère qui a parlé tout à l'heure là, c'est comme ça, il faut agir. Là, Dieu va te bénir. Tous ceux qui donnent 5 francs ici, vous êtes bénis que ceux qui ont donné milliards dans ces églises moribondes frappées de la malédiction, chargées de l'enfer. Alors, regardez maintenant. L'homme est le chef de la femme. L'homme ne devait pas se mettre à genoux devant la femme pour dire « Maman, pardon. Laisse-moi faire un coup. » C'est vous-même qui vous mettez quoi de coup. Femme qui est versée partout comme ça là. Toi, un homme que Dieu a créé libre, tu te mets une corde au cou pour être la propriété privée d'une petite sorcière. Femme, moi, Ameba, moi, m'attacher à une seule femme. Et puis, le jour où il n'y a pas là entre nous, je vais rester là. Elle ferme les frontières, je serai obligé de revenir sur ma décision pour aller demander pardon. Faux! La Bible dit, si vous entrez dans une ville pour prêcher l'évangile, et que vous avez refusé, secouez simplement la poussière. Et continuez votre chemin. Vous croyez que si ces serviteurs de Dieu dont la Bible a parlé, ils étaient des gens qui ont vendu leur âme à une seule femme, ils pouvaient réussir. La polygamie est une bonne chose. C'est un piège. C'est un piège que l'Occident a envoyé pour dire que l'homme a droit à une seule femme. Malheur à vous, si vous vous mariez à la mairie, vous êtes mort. Elle va vous faire chantage. Il y a plein qui pleurent parce qu'ils ont fait mariage légal avec une femme. Il faut te séparer d'elle, tu vas voir. Toi-même, ton propre salaire que tu allais avoir, découper ça en quatre. Et tu pouvais avoir quatre en partie, le reste, ça va être dans sa poche. Une sorcière qui ne sait même pas comment tes parents ont souffert pour te mettre à l'école. C'est elle qui va te... Mais le diable est très méchant. Le bon mariage, la vraie cérémonie de mariage qui est reconnue par la Bible, qui est la dot, le diable avec ses supposés sont en train de lutter pour que la dot soit annulée. Et que ce soit le mariage à la mairie qui est reconnu. Pauvre de vous. Abat le mariage à la mairie. Aucun passage de l'écriture ne force le croyant à aller se marier à la mairie. C'est un piège. Vous vous mettez au même pied d'égalité que la femme. Le mariage à la mairie est un danger potentiel. Un enfant de Dieu qui a les moyens ne devait pas se marier à la mairie. Maintenant, si toi-même tu juges bon de se marier à la mairie, il faut assumer les conséquences demain. Si le diable a réclamé sa propriété, parce que la femme a été la première associée de Satan depuis le commencement. La femme a été la première associée de Satan. On va lire ça tout à l'heure. Alors tu vas te marier à la mairie, le jour Satan récupère sa propriété.